Le fils de Junit a eu cœur d'une nouvelle polémique. Dans quelques semaines, le 7 décembre, David Hallyday sortira son nouvel album intitulé « J'ai quelque chose à vous dire ». Une annonce qui vaut au fils du taulier d'être accusé de vouloir tirer avantage du premier anniversaire de la mort de son père. Le 13e album de David Hallyday, « J'ai quelque chose à vous dire », comportera 11 titres. Prévu dans les bacs le 7 décembre prochain, l'opus, inspiré par ses relations avec Johnny, fait déjà beaucoup parler. Ce vendredi 16 novembre, sur le plateau de TPMP Peuple, diffusé par C8, Luc Angevert, rédacteur en chef de Closé. FR a estimé que la sortie du disque n'était qu'un grand coup de communication. Il sort l'album le 7 décembre, deux jours après l'anniversaire de la mort de son père, en disant dans Le Parisien « C'est le hasard du calendrier, je n'ai pas fait exprès, c'était la seule date possible, c'est carrément mensonger », s'est emporté le journaliste, également chroniqueur de Mathieu Delormeau. David Hallyday, un opportuniste cherchant à tirer profit du décès de son père. L'attaque est d'autant plus violente qu'il s'est réjoui du succès du dernier album du rocker. Dans une interview au Parisien, parue en début de semaine, le fils aîné de Johnny s'était déjà justifié sur son propre disque, dont il a entamé l'enregistrement en février dernier. « J'avais fini l'album en mai, et on devait le sortir. »